Développer les activités numériques sur le territoire de la métropole et lutter contre la fracture numérique qui éloigne grand nombre de nos concitoyens des nouvelles technologies font partie de nos jours des grands enjeux de notre communauté urbaine. Le premier forum numérique des seniors, organisé durant l'édition 2012 du Festival de la Novella, est une des réponses apportées à ces problématiques. De nombreux seniors sont venus s'initier ou développer leurs connaissances en matière d'informatique, d'internet ou de nouveaux outils numériques. La fracture numérique est malheureusement un phénomène important, c'est-à-dire qu'on développe de plus en plus de services, on est dans le numérique et une partie de la population est en dehors de ces évolutions. On ne peut pas se permettre en tant que collectivité de laisser ces personnes en dehors de ces évolutions, en dehors de ces services, en dehors de ces nouvelles activités de loisirs, de communication. Vivre avec son temps, ça n'est pas toujours, ça se fait pas toujours naturellement. Et donc, par exemple, l'axe de la famille est un axe qui leur parle. Le fait de pouvoir entrer en contact avec un membre de notre famille qui nous est cher, eh bien, par exemple, c'est un bon axe pour les faire adhérer à l'informatique. De nombreux seniors de notre métropole étaient présents lors de cette journée dédiée au numérique. Ils ont pu réaliser leur première navigation sur le web à l'aide de tablettes, découvrir les communications vidéo via Skype ou assister à des tables rondes sur les pièges d'Internet. On a appris déjà à se servir du clavier, à se servir d'Internet, faire un courrier correct. J'essaye parce que je ne suis vraiment pas doué, c'est pour ça que je viens à ces journées numériques, pour essayer de voir quelles sont les possibilités d'une organisation, d'un agenda par Google. J'apprends des tas de détails sur l'usage de cette tablette numérique et même de l'informatique en général. L'avantage avec Skype, c'est que je peux communiquer avec ma fille qui est en Italie gratuitement. Ces activités d'aide à l'accès des pratiques du numérique se développent au sein de la métropole. Des ateliers animés par les membres du conseil municipal des seniors de la ville de Toulouse sont notamment organisés à la médiathèque José Cabanis, dans les maisons de retraite, ainsi que dans les clubs du troisième âge.